Clara Paoletti fait partie des 1500 infirmiers libéraux de Lille. Colère, dépit, amertume, c'est ainsi qu'elle définit l'état d'esprit de la profession. Plus d'actes à prendre en charge dans un système de santé qui se dégrade. On nous demande de plus en plus de prendre en charge les patients en ambulatoire à leur sortie de suite après l'intervention en fait. Là maintenant, c'est nous qui gérons ça à domicile, sans présence médicale. C'est nous qui surveillons les plaies, qui faisons les pansements, les éventuelles complications. Pas d'indemnité kilométrique pour l'exercice en centre-ville avec un gel de la rémunération des actes. Par exemple, une piqûre à titre indicatif, c'est 7 euros avec le déplacement. Pour un pansement, c'est 8 euros. Nous, sur cette somme, on en garde la moitié. Le reste est prélevé en URSSAF, Carpinko et impôts. Le métier d'infirmier est multidisciplinaire, en lien avec tous les professionnels de santé et les familles. Parfait. Notre métier, on est censé être disponible 365 jours par an, 24 heures sur 24, pour répondre aux besoins des patients, de leurs familles, de leur entourage, que ce soit des besoins purement médicaux ou tout simplement de conseils ou parfois de soutien. L'attention. Un recensement de toutes les interventions de la profession figureront dans un livre blanc qui sera remis à la ministre de la Santé courant 2019. J'ai les mains glacées. Tout le temps.